Shalom à tous, c'est l'artiste Indira, artiste gospel camerounaise. Any day go be a good day. Papa gonna you de bless me. Nobody fit entertain me. Nobody fit entertain me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. Donc je ne peux vraiment pas dire que j'ai pris cette décision de commencer, parce que la décision, elle vient tout d'abord de ma maman, qui elle aussi était chantre à l'église. Donc voilà comment à 6 ans, je me retrouve dans un studio et tout, et je sors un premier son qui est quand même assez apprécié. Et je peux dire que c'est en grandissant que j'ai vraiment commencé à me rendre compte de tout ce qui se passait autour de moi. Déjà, j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Donc, papa pasteur, maman pasteur, ils m'ont toujours inculqué ces notions religieuses-là. Donc, oui, la décision, premièrement, elle est venue de mes parents. Et disons qu'en grandissant, j'ai continué avec le chant, parce que c'est devenu une passion pour moi. Aujourd'hui, je ne peux que remercier ma mère qui m'a placée dans cette voie-là, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la musique, c'est vraiment une passion. Je me sens vraiment bien quand je chante, et surtout quand c'est de la musique religieuse, quand c'est de la musique gospel, pour sensibiliser mes tout petits et même les plus grands. Si on fait le bilan, aujourd'hui je compte 4 albums. Le premier album, Quelle joie, deuxième album, Consécration, troisième album, Surnaturel, quatrième, Souffle nouveau, qui est sorti en 2020. Alors le premier album, voilà, j'avais je crois 7 ans ou 8 ans. Donc toutes les chansons dans l'album ont été composées par ma maman. Voilà, c'était des petits rythmes d'enfants qui ambiançaient les enfants. Mais vraiment, on essayait de rester dans ce côté religieux-là, se faire passer un certain nombre de choses dans les chansons. Deuxième album intitulé Consécration. Alors j'avais 13 ans. C'est vraiment à cet âge-là que j'ai décidé de continuer dans cette voie. Alors j'avais le choix, bien évidemment, d'arrêter et voilà, de faire autre chose. Mais j'ai décidé vraiment de continuer parce que j'aimais ce que je faisais. Donc cet album est intitulé Consécration. Consécration pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, je me suis baptisée. Voilà un peu la petite histoire derrière l'album Consécration. Donc Consécration, voilà, on voit une Indira qui grandit, voilà, ne dépend plus complètement de ses parents. Bien évidemment, je suis jeune, et les tentations et autres, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Mais quand on donne sa vie à Dieu, la Bible dit que ce n'est plus par notre force, plus par notre puissance, mais par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai grandi vraiment dans un cadre religieux. Il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire. C'est la voie que j'ai choisie. Bien évidemment, ce n'est pas facile, il y a plein d'obstacles, mais voilà, je ne pense pas laisser la musique gospel pour faire autre chose. Ces dernières années, il y a pas mal d'évolutions. Je trouve qu'il y a encore du travail à faire, particulièrement dans mon pays, le Cameroun. J'espère que dans l'avenir, nous aurons un peu plus de soutien venant des promoteurs, des organisateurs. Mais voyons mes frères du Nigeria, mais ce qu'ils font, c'est extraordinaire, c'est magnifique.
J'aimerais bien faire un featuring avec l'artiste Snash. Je crois, elle et moi, nous en avons déjà parlé et j'espère que d'ici peu, nous pourrons matérialiser ce projet. C'est vraiment pas évident. Je suis étudiante en cinquième année médecine. Donc, on sait que la médecine, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'engagement. Et c'est vraiment pas facile, mais on essaie vraiment d'avoir un emploi de temps assez serré, assez calé. Et j'ai toujours dit que la musique reste une passion pour moi, mais la médecine, c'est vraiment un métier que je veux faire depuis que je suis toute petite. Et c'est le métier que j'ai choisi, en fait. La musique, c'est une passion, voilà. Ça m'aide à toucher, changer des vies, évangéliser. Et c'est ma petite pierre que j'apporte à l'édifice. Mais la médecine, c'est vraiment ce que je veux faire. La dernière chanson intitulée « Il est là » qui est un remix de mon album, d'une chanson de mon album « Souffle nouveau » sorti en 2020. Donc cette chanson, j'ai eu à collaborer avec l'artiste KS Bloom. Lui et moi, on parle de ce projet, ça fait déjà un peu plus d'un an. Mais vraiment, on n'a jamais eu l'occasion de matérialiser ce projet-là. Donc quand il est venu au Cameroun, il y a eu plein de soucis à cause de son concert qui ne s'est pas bien passé et tout. On s'est dit que là, je crois que c'est le bon moment de vraiment montrer l'unité qui existe entre les deux pays, malgré le fait que voilà, ça tiraille de partout. Mais vraiment, il faudrait qu'on fasse ça pour apaiser certaines tensions. Surtout que c'est un projet qu'on avait déjà en tête depuis, donc on a juste profité de l'occasion. Donc je suis partie à Abidjan pour enregistrer la chanson. Et peut-être une semaine après, il est venu au Cameroun pour faire le clip. Donc c'était vraiment speed, c'était très speed. Et le tournage s'est très bien passé, on s'est très bien amusé. Et voilà ce que ça a donné, quoi. Pour l'instant, je fais tout pour ne pas oublier. Même si mon qui t'a renié, tu l'as pas abandonné. J'appelle ton nom. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis. Je suis déjà en train de travailler sur mon prochain album qui sera disponible l'année prochaine. Je ne sais pas encore quand, mais vous saurez très bientôt. Et d'éventuelles collaborations avec des artistes camerounais et même des artistes d'ailleurs.